C'est une nouvelle journée pénible qu'ont vécu les deux hauts gradés de la police, Dev Joku et Rampersa Tsurujebali, qui n'auraient jamais pensé qu'un jour ils seraient retrouvés du côté des accusés. Les deux suspects ont été interrogés ce matin encore dans les locaux du CCID. Plus tard, ils ont été conduits au tribunal de Mapou pour leur mise en accusation. Ils ont été accusés de complot dans l'affaire de Roche Noire et libérés contre une caution de 100 000 roupies chacun. C'est un homme ému qui s'est adressé brièvement à la presse. Au moins, me croire dans la justice, mon pays, et mon compte à mon département, la police. But I'm sad for the police force. Mon compte à mon département, mon compte à la police, mon rentrée. Maintenant, plus que 40 ans de service, et nous sommes clés, moi, je prends tout le temps mon travail, moi. Et bon, pour continuer à travailler. Pour sa part, Rampersa Tsurujebali est resté silencieux, encore sous le choc de s'être retrouvé de l'autre côté de la barrière. Les deux hommes devront à nouveau comparaître devant le tribunal le 7 février.